pense que nous faisons ce repas pour faire en sorte que l'ensemble des gens qui travaillent sur l'aéropôle aient l'occasion de se rencontrer de manière conviviale. Et je dirais, par surcroît, ça permet aux personnels des entreprises qui n'ont pas toujours l'occasion en interne de se côtoyer durant un moment convivial de le faire. Donc on a un double objectif et je crois que le double objectif est parfaitement rencontré. Je trouve que c'est une excellente initiative et chaque année nous venons et je pense que c'est l'occasion finalement des collègues que nous croisons toujours en vitesse. On prend le temps ici au barbecue de pouvoir se parler, mieux se connaître, échanger et donc c'est une bien belle initiative et je remercie en tout cas les organisateurs. Bravo, bravo. C'est une bonne initiative, ça nous permet de sortir un peu du bureau. Donc c'est toujours sympa de faire autre chose, un peu de team building quelque part parce qu'on se voit un peu hors des structures habituelles quoi. Je trouve que c'est quand même bien organisé. C'est agréable de se rencontrer avec toutes les sociétés de l'aéropôle. Ça permet un peu de voir les gens qui travaillent aussi dans les environs, voir un peu faire connaissance avec les autres sociétés, apprendre un peu à voir les deux autres domaines d'activité dans la région. Je pense que c'est simplement la convivialité et l'occasion effectivement de rencontrer un peu des personnes qu'on n'a pas l'occasion de prendre le temps de voir. Je pense que l'atmosphère est très favorable à la communication. Le dîner était parfait. Mais comme d'habitude, excellent. Hein. Donc, je pense que les ingrédients habituels sont présents. Convivialité, qualité, l'occasion de voir des gens qu'on ne voit pas assez souvent. Donc parfait en un mot. Très bien. Ça permet de rencontrer plein de gens, d'ambiance décontractée. C'est très sympa. Ça me permet de découvrir les personnes qui travaillent sur le même site. Pour moi qui viens de rejoindre l'aéropôle, en fait, connaître un minimum les autres occupants de l'aéropôle. Ça, c'est la création de contact. Ça nous permet de pouvoir rencontrer les autres personnes du zoning et puis de se retrouver entre collègues également. Très agréable de couper un peu du quotidien et de voir les gens autrement. C'est une bonne initiative. C'est excellent. Et donc l'initiative est évidemment superbe, comme chaque année. Donc longue vie au barbecue du Go Club.